tout le monde. Bonjour Eden. Je suis avec mon petit bout aujourd'hui. On va faire quelques courses pour tourner le mercredi des enfants, donc ils risquent d'avoir du retard, ils risquent même d'être pas publiés exceptionnellement à un mercredi. Je suis désolée, en ce moment les tournages c'est un petit peu compliqué niveau timing, mais bref, vous allez la voir. Du coup, on va faire les petites courses pour faire ce mercredi des enfants. Et puis aujourd'hui, j'ai envie vraiment de profiter maximum avec mon fils, puisqu'après demain je pars sur Paris le matin et je rentre que dimanche soir puisque j'enchaîne avec Caen pendant 3 jours avec ma maman. Et du coup j'emmène pas Eden, j'emmène que Lily Rose parce qu'il y a 5 heures de train, et du coup pour Eden c'est juste trop pour lui, j'ai pas envie de lui faire subir 5 heures de train. Là, il y aurait pas le choix, il le ferait hein. Mais là c'est pas une obligation, donc autant il va rester avec son père à la maison. Du coup je vais pas le voir pendant 4 jours, donc il va beaucoup me manquer parce que je suis pas habituée à être séparée de mes enfants aussi longtemps. Pas en mourir, mais voilà, du coup j'ai quand même envie de profiter de mon fils, donc aujourd'hui il reste avec sa maman d'amour, et puis de toute façon lui il aime bien en ce moment, il est très maman. Qu'est-ce qu'il y a mon père? On a quasiment fini les courses, il nous reste que les sirois. Oh un câlin, maman. Tu veux faire un câlin, c'est ça? Alors on va prendre quoi? Maman toi t'en vois pas des sirois. Attends, elle va refaire un câlin après maman. Maman elle fait le plein. Attends, sirop de menthe. Sirop de... Mon père il aime bien la cerise, alors on reprend la cerise. Et maman elle aime bien le kiwi, alors on va prendre le kiwi. Voilà. Un câlin, c'est ça? Un câlin. Oh. Maintenant il ne manque plus que les bouteilles de boum dans la pareille. Pour Lily Rose. Et on aura tout. Et c'est là où t'as le truc qui te dit que... Voilà. Mon fils est très poli, dit coucou à tout le monde. Donc il nous manque juste du moukou. Bien, c'est comme c'est les seuls, il y a moins de monde. Les gens sont tous dans les boutiques à dépenser leurs sous. Moi je fais juste mes courses. C'est déjà pas mal. Alors moukou, c'est là. Je te pose là, tu fais pas de bêtises s'il te plaît. Bon, on est rentré notre petit moment, on sort de table, on a tourné le mercredi des enfants en rentrant, c'est pour ça. Il y a un petit trou, je viens d'installer. Ah bah non, j'ai dit une bêtise. J'ai sorti des jouets qu'avait Eden, donc pour Lily. Donc bon, celui-là je pense qu'il est un petit peu gros. Celui-là par contre, si elle arrive à l'attraper, c'est complètement de son âge. Enfin, à 3 mois, à partir de 3 mois c'est vraiment bon. Elle peut manger Sophie, c'est Sophie et Gérard. Ça aussi, voilà, et ça que j'avais attaché qui pendait, mais je me suis ratée, donc je vais remettre le nœud pour qu'elle puisse tout simplement eh bien, jouer avec. Parce qu'il n'y a que le renard, il faut que j'en trouve d'autres trucs comme ça là qu'on peut accrocher. On va essayer d'accrocher la grosse girafe là. Qu'en dis-tu? Pas la girafe, la licorne. Maman elle a de ses idées. On va essayer hein. Voilà, copine la licorne elle pend maintenant. Elle a la tête en bas. Un petit renard là. Ça ici. Qu'est-ce qu'on dit? Ça te plaît? Oui ça te plaît hein. Tu veux ça toi? C'est quoi mon cœur? C'est des clés. C'est des clés. C'est fait pour ouvrir les portes. Les clés, il y a des clés pour la voiture. Il y a des clés pour la maison. Ouh, t'es fatigué, toi, tu te frottes les yeux, mon cœur. Ouais, change de sujet. Et Ben, il se frotte les yeux. Ouais, mais il voulait monter il y a 2 secondes. Ah. Ah. Il suit la même chose. Je pense qu'il monte généralement, c'est parce qu'il a envie de sucer. S'il a envie de sucer, c'est parce qu'il est fatigué. Un bébé qui voudrait faire dodo, mon petit mec. Et on va aller chez l'ostéopathe à 14h. Donc je pense qu'après on va avoir un gros bébé qui dort. J'espère que ça va lui faire du bien. On profite que c'est à 14h, comme ça nous on y va et Eden est à la sieste. Il s'en dit des bêtises. Bien sûr que non. Non mais en fait, comme elle a toujours, bon, c'est mieux, mais c'est aussi colique le fait qu'elle boit pas vraiment tous ses biberons. Enfin, moi je trouve qu'elle a du mal à boire, elle s'énerve vite, elle a vite mal au ventre pendant qu'elle boit. Enfin voilà, du coup je pense que de toute façon l'ostéopathe ça peut que lui faire du bien. Bon, je suis avec Lily Rose, on est dans le cabinet d'attente, enfin la salle d'attente du cabinet de l'ostéopathe. La mère, elle n'a pas voulu son biberon, elle a voulu son maman, mais du coup quand on l'a déplacée à la courbe, elle a dû se réveiller. Et tiens, je t'en laisse ça, c'était pour le trajet, ce qui est quand même pas mal de petits grammes en plus. J'ai dû changer de roue parce que, en fait, pendant qu'on tournait le mercredi des enfants, j'ai pas vu, mais j'avais une grosse trace de chocolat sur tout le côté. Je suis bon, là, c'est moyen quand même sur un t-shirt blanc. Dommage, j'aimais bien, ça allait bien avec le short. Ça va te faire du bien, ma puce, l'ostéopathe? Et regarde ce qui se passe. Hein. Ça va te faire du bien? Qu'est-ce que ça fait? C'est les doigts de maman qui bougent? C'est ça qui te plaît? Bon, on est rentré déjà il y a un petit moment. Du coup, l'ostéo, qu'est-ce que ça donnait? Alors, au début, il faisait des grands sourires. À la fin, elle râlait, on en a un petit peu marre.
Du coup, il a constaté que son ventre était plutôt gonflé, donc il pense qu'au niveau du lait, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qu'elle ne digère pas, qui fait qu'elle ait le ventre gonflé. Donc, il m'a recommandé de passer sur un lait végétal, puisque déjà, Lily Rose fait une intolérance au lactose. Il pense qu'elle fait peut-être un peu plus d'intolérance que seulement le lactose, peut-être le calcium ou autre. Bref, il faudrait du coup passer sur un lait végétal. Il m'a dit essayez, vous verrez au bout de 2-3 jours si vous voyez une différence. Si une semaine, vous ne voyez rien, aucune amélioration. Je rappelle, et on reverra à ce moment-là pour voir d'où peut venir ce... Elle disait aussi qu'elle avait l'estomac un petit peu haut. Donc ça, il a remis en place, mais c'était rien de spécial. Au niveau de la tête, elle s'est pas aplatie, mais elle était très, très légèrement un petit peu tendue au niveau de la droite. Donc il l'a détendue. Voilà, manipulée. Alors au début, il faisait des sourires, elle le suivait du regard, puis à la fin... Mais tu sais, pas pleurer, c'était râler, c'est genre... Je suis pas contente. Alors on va faire cette valise ensemble. Hop là. On va s'installer dans la chambre de Lily. Hop, je sais pas où je vais vous poser. On va faire ça ensemble. Alors je vais lui prendre deux tenues chaudes. Parce qu'il a pas l'air de partir. Oh, mon short il s'est un peu... Hop là. Il nous fait ciao. Alors je disais on va prendre deux tenues un peu plus chaudes. Donc je vais prendre deux petits leggings de Lily. Comme ça s'il fait froid elle aura ces deux leggings. J'ai un haut là. J'ai l'autre haut là. Est-ce que je vais prendre le sac allongé week-end? Format week-end, c'est je crois celui de chez Badabul que j'ai depuis pouf, pareil, un petit moment que j'avais pour Eden. Et qui est assez grand et franchement pour mettre tous nos habits ou quoi, ça sera bien. Et dans le sac allongé que je vais prendre en plus, qui me servira de sac à main, je prends le sac à dos et le joujoubi. Je mettrai tout ce qui est alimentation pour Lily. Je vais prendre celle-ci. Et peut-être. Mais ça c'est du 1 mois donc c'est mort. Mais ça fait voir la différence entre le 1 et le 3 mois. Bah vraiment la différence est pas flagrante, hein. Je vais prendre les deux vestes, hein. Vaut mieux prévenir que guérir. J'ai envie de dire on part quoi 4 jours, demain elle sera déjà habillée. Donc ouais, 3 tenues, ça va largement le faire. Hein. Je vais prendre cette jolie petite robe. Alors oui j'y pense, vous me demandez pour quand. La rencontre je vous propose, j'ai regardé au niveau du parc, le mémorial, il y a le mémorial, alors je connais pas du tout, mais de se retrouver le samedi, donc 1er juillet à 14h devant le mémorial. Alors j'ai pas trop d'idée de la proportion du truc, savoir si j'ai genre petit qu'on se retrouve devant ou pas. Et suivant le temps, s'il pleut, bah peut-être trouver un bar ou autre, ou se caler à côté, je sais pas, une idée si vous allez être 3-4 ou j'en sais rien combien vous allez être à venir. Si vous venez, dites-le moi en commentaire, ça me donne un petit peu une idée de combien on va être. Donc voilà, le samedi 1er à 14h devant le mémorial, au parc mémorial. Mettez-vous sur Instagram, je vous préviendrai via Insta direct. Donc mon Instagram c'est allomamanyt si vous n'avez pas encore rejoint. Et je vais prendre deux bodys. Un petit body sunshine. Et puis au cas où un pyjama de nuit. S'il fait vraiment pas chaud, je lui mettrai son pyjama parce qu'on a quand même. Pour le nord, énorme nord, je sais pas, il fait pas chaud. Hop, voilà la petite pile de la Lily Rose. Autant vous dire que c'est pas ça qui va tenir une tonne de place dans les affaires. Tada! Voilà, donc il y a en plus son cahier santé, une grande bouteille Moroku, deux bibons, sa boîte de lait. Là-dedans, il y a ses cotopades et son eau nettoyante. Et après, tout le restant, son paquet de couches, ses ménageries, c'est mes trois tenues de rechange, enfin mes deux tenues de rechange. Et là. Ça, et il faut que je fasse, j'ai oublié ma trousse de toilette. Ça pourrait être pas mal avec maquillage, gel douche, tout ça, tout ça. Et voici mon grand garçon. Je lui ai mis un petit t-shirt après sa sieste parce qu'il en allait dormir un petit moment. Tu veux que maman s'assoie? Et je voulais qu'on aille jouer à l'ardoise, moi. Tu veux jouer au garage? Au garage? Il faut prendre des voitures, mon cœur. Il n'y a pas de voitures, là. Elles sont pas sur le garage, les voitures. Il faut en sortir. Tu les cherches dans ton coffre à jouer? En faire aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me montres? Tu veux faire toi aussi du coloriage? Du dessin, plutôt? Tu essaies de faire comme maman? Oui. Et nous deux. On fait ensemble? Regarde. On fait un carré et un triangle.
Alors attends, il faut bien relier. Hop, on fait une petite porte. Et les jolies fenêtres. Waouh, jolie ta petite maison. Regardez. Hop, ça c'est la mienne et ça c'est celle de Eden. Je vous ai pas dit, on a reçu un colis d'abonnés. Donc on a une très jolie petite robe pour Lily Rose. Je vais vous la montrer. Hop, comme ceci, j'adore avec le détail du petit nœud. Donc elle est en taille 9-12 mois. Donc du coup c'est nickel, c'est en avance. Et le livre que je trouve juste génial, c'est que j'en avais pas. Donc bon, vous voyez pas ce qu'Eden vient de le prendre. C'est Petit Ours Brun au Pourgain mon cœur. Waouh. C'est cool parce que c'est vrai qu'on en avait pas pour Eden, pour la propreté. Je pense que ça peut être un petit plus pour lui. Donc merci beaucoup. Alors, je vais relire les noms, tout à l'heure je les avais lus. Il faut que je leur réponde. À Elodie et Clémence. Merci beaucoup. Qui sont de Nantes apparemment. Donc merci pour ces jolis cadeaux pour les enfants. Vraiment, c'est super cool. Et le livre vraiment très très utile. Donc des bisous les filles. Mmh. Tu lui as mis le doudou à côté mon cœur. Et ouais, c'est fait maintenant aussi Lily. Waouh, tu montres bien comment il faut jouer. Tu es un très gentil grand frère. Oui, c'est son doudou. Tu le changes de côté? Ouais, tu es gentil. C'est l'heure du coucher de Eden. On va se brosser les dents, tu viens? Grande page. Tu donnes la main s'il te plaît? Oui. Ah. Fini. On va changer la couche? On s'allonge? C'est bien. On va faire la petite lecture du soir. Alors, qu'est-ce que tu veux comme livre? Allez, choisis. Tu veux lire quoi? Le Roi Lion? T'en as pas assez de le voir. On le lit sur le canapé, hein. On le lit pas par terre. C'est le Roi Lion? Oui. Hop. On va lire le Roi Lion? My heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I